Mon Bruce, je me présente, Bruce No, ceinture noire en Bruce Plantation. Pour toi, la Bruce Plantation, et tu as raison, c'est de la crotte. La Bruce Plantation, c'est honteux, c'est hideux. Ce sont des mecs qui ont fait du pognon sur le dos d'un mort. Sur le dos d'un mec innocent qui nous a quittés en pleine gloire. Et qui se sont fait du pognon sur le dos d'un mort, sur le dos d'un mec tellement génial qu'il a révolutionné le cinéma d'arts martiaux, qu'il a révolutionné le cinéma, qu'il a révolutionné tout simplement le cinéma d'action et qu'il a même révolutionné le monde. Bruce Lee, le véritable Bruce Lee, a changé le monde, a changé la vie de millions de jeunes gens qui avaient besoin d'un guide, qui avaient besoin d'un meneur pour leur indiquer, pour leur donner du bien, pour leur donner du bonheur. Et ça, la Bruce Plantation, en quelque sorte, elle a rempli ce vide. Elle a rempli ce manque. Elle a rempli ce manque de ce héros parti trop tôt qui nous a manqué, qui nous manque. Et donc les mecs comme les Bruce Lee, les Bruce Lee, les Bruce Lee, les Dragon Lee, je t'en passe. Malgré eux, oui, tu as raison. Ils ont profité de l'occasion. Ils ont connu la gloire dans le fantôme d'un autre, oui. Les producteurs se sont fait des millions avec le fantôme de ce gars, avec ses clones qui eux aussi ont été victimes de ces producteurs, qui eux aussi, malgré eux pour certains, ont trompé le public. Mais peut-être que des gens comme toi, des gens comme moi, ils nous ont fait du bien. Et je te le dirai avec beaucoup d'humour, ils nous ont fait du bien. Pourquoi ils nous ont fait du bien? Parce qu'ils ont rempli ce vide. Ils ont rempli ce vide de ce héros parti trop tôt avec 4 films et demi. Mais mec, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 4 films et demi? On tourne en boucle. Et là, avec ces mecs qui lui ressemblent, qui certes le singe, mais c'est un petit peu de toi, Bruce, qui continue à vivre sur l'écran. C'est un petit peu de toi qu'on peut continuer à suivre tes aventures. Tu nous manques. Et ce manque, ces pâles clones, en quelque sorte, nous remplissent le cœur de bonheur. Et la Bruce Plantation, c'est aussi ça. La Bruce Plantation, ça donne du bonheur à ceux qui étaient en manque de père spirituel, d'oncle, de grand frère, d'amis, de copains. Et moi, Bruce No, ces mecs,
Moi, Brusno, ces clones du petit dragon m'ont fait du bien. Bruce Lee, Bruce Lee, whatever, what Bruce Lee, Bruce Lee, je te le disais, ces mecs m'ont fait du bien, sais-tu. Et c'est pour ça que je t'invite sur ma chaîne Brusno, Brusploitation Collector, de faire le panel de tous ces clones qui ont certes connu la gloire dans le fantôme d'un autre, mais qui vont t'emmener avec moi dans le bonheur de la Brusploitation. Abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite clochette et avec moi, je t'emmène dans le monde merveilleux de l'imagerie de la Brusploitation. Yeah.